salut, on est vendredi 16, c'est bientôt les vacances, ou presque. Alors aujourd'hui je suis habillée un peu n'importe comment parce que j'ai mis une sirocco et un Sioman, mon Sioman de Lucienne Tricotte. Ça c'est la Elite LG et ça c'est la Anya Chakra de Les Chevaux Solidaires, voilà voilà. Et des jolis boutons qui viennent de chez Céline sur un fil. Voilà, il est court, tout ça, bon bref. Je suis coiffée n'importe comment parce que il fait froid, parce que j'ai mis ma capuche bombec pour emmener la grande au collège tout à l'heure. Bref, peu importe, c'est l'heure de faire à manger, c'est le speed. Ce matin, j'ai travaillé, oui, ça c'est très cool. Parce que hier, j'ai pas pu. J'ai un manche aiguille dont il faut que je finisse la couture à la main pour fermer. Et deux qui sont en cours, donc est-ce que j'arriverai à finir tout ça aujourd'hui? C'est pas sûr. Mais c'est en bonne voie. Alors aujourd'hui, dans les calendriers de l'Avent, donc chez mon petit rêve. Voilà, ça me plaît. Donc on a du violet, du blanc, du violine, des taches, du bleu. Ça j'aime très très beaucoup. C'est superbe. Hop. Donc il va retourner dans sa cage avec ses copains. Voilà, et il y avait aussi un petit carnet fort mignon avec des lignes. Donc, eh bien, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais y mettre, mais je vais trouver. Chez Clippers, c'est une infusion détox avec de l'hibiscus, et ça, j'adore, donc je garde précieusement. Et chez Arcoiris, on a des jolies fleurs, et c'est pour Mononoke. Et Mononoke, je le connaissais déjà puisque j'avais acheté le club Mononoke. Donc on a du rouge, du bleu, du gris violet, du vert. Bon, c'est très beau comme toujours, n'est-ce pas? J'ai vraiment hâte de voir le global. Oui, je sais, maintenant ça fait quelques jours que je dis ça. Hop. Mais bon, alors aujourd'hui, je sais pas trop si je vais avoir des trucs intéressants à vous montrer. Parce que j'ai très envie de plonger dans mon stash, mais il faut vraiment que je prenne le temps de finir le pull de l'homme, d'autant que je ne sais pas si j'aurai assez de bleu pour finir cette manche. Hier soir, je lui ai essayé pour voir si la longueur de manche était bonne, donc oui, elle serait un peu trop longue, parce que là, du coup, j'ai fait autant de rayures de blanc que sur le corps, et elle lui arrive déjà ici, donc je vais faire les côtes, au pire, elle retournera, ça sera un pull chaud. Et j'ai fait 5 rayures, je crois, sur le 13, de la deuxième manche. J'ai peur. J'ai pas mesuré combien de fils j'avais. Oui, bien sûr. Je n'ai pas pesé ce qui me restait en bleu. Donc je ne sais pas. Mais je me dis que, attention, parce que merci à Musarel, je ne sais pas quel est ton prénom. Je l'ai peut-être lu, mais je ne sais plus. Bref, m'a offert un superbe patron qui est le Fine Boss, que j'ai pas tout à fait prévu de faire tout de suite, qui était dans la dernière sélection de patrons dont vous m'aviez parlé en fait. Et il est canon, c'est un pull en fingering avec du jacquard. Et il y a de la dentelle sur les côtes, du col et du bas. Il est vraiment magnifique, merci beaucoup, vraiment, je le ferai, mais pas tout de suite. Et Adèle, etc., merci beaucoup, m'a offert le Anya de Nadia Crétin-Léchel. J'avais flashé dessus quand je l'avais vu chez Le Demoiselle, n'est-ce pas? Et du coup, je lui ai offert en retour et on fera sûrement un petit cal en 2023. Tout ça pour dire que si je commande chez Derom Natura une pelote de Gilliatt, je ne vais pas commander qu'une pelote de Gilliatt. Payer des frais de port pour une pelote, qui fait ça? Ouais. Si vous le faites, bravo. Moi je suis pas capable, donc je me suis dit que parce que j'ai pas, il faut normalement de la fingering et de la lace mohair, mais est-ce que j'ai envie de me tricoter un gilet encore comme ça? Je ne suis pas sûre, donc je pense que je vais acheter de la DK et je penche pour la Pénélope je crois, qui est mérino et un peu de soie. J'en avais acheté il y a un moment et je l'avais revendu parce que je savais pas quoi en faire. Je l'avais acheté comme ça dans le vent, sans projet, quelle bonne idée. Mais là, et le problème c'est que... Mais là j'ai un projet, donc... Donc bref, là le plus dur sera de choisir la couleur. Alors j'ai vu le prune qui est un beau... Il tire vers le rose, un beau prune vers le rose. En plus ça brille un peu avec la soie. Jaune astral. J'ai vu aussi le coloris cyprès, que j'avais déjà vu en Gilliatt. Maman! Viens! Relou!
non, tu regardes par là. Relou, le relou. Bref, je ne sais pas, il va falloir choisir une couleur. Non, tu regardes pas, tu regardes pas. Non, de crier. Fais-moi un câlin, fais-moi un câlin, tu casses tout. Tu casses tout. L'enfant a tout cassé. Bon, bref, donc je ne sais pas, il va falloir que je choisisse la couleur. Il m'en faudra 10 pelotes. Et... Non, 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 pas les machines. C'est l'heure de manger, donc maintenant que le fauve est dans la pièce, je vous dis à tout à l'heure ou à demain si vraiment j'ai pas le temps. Non, il faut que je vous parle du sponsor. Bon, alors, du coup, le sponsor du jour, c'est Nadège, Nanou Lily et compagnie. Nadège. Donc, on dit merci à Nadège qui nous offre son livre « Je tricote mon premier pull en circulaire ». C'est femme, homme, enfant. Il y a de quoi... je regarde, attendez. Il y a de quoi faire... Hop. Je crois qu'elle explique... Alors, enfant, c'est de 6 mois à 10 ans. Voilà, pour ajouter une torsade. Donc ça, c'est le basique femme de S à 3XL. Avec bicolore. Donc ça, c'est pareil, S3XL. Enfin non, c'est pas femme, en fait, c'est mixte. Ça, c'est avec des rayures. Bref, vous avez de quoi faire. Il y a même une grille de jacquard. Donc vous avez de quoi faire pour tout le monde. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un modèle 12 déclinaisons. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, si vous me regardez, que je vous ai toujours pas envoyé votre lot, vous inquiétez pas, en fait je pense que je vais faire un petit regroupé la semaine prochaine, parce que comme ça sera les vacances, ce sera vachement plus facile de préparer tout ça et d'aller à la poste. Et pour pas faire 45 voyages, hein, vous comprenez bien, je pense. Donc voilà, sur ce, je vais faire manger les bêtes, et je vous dis, non, vraiment... Non, j'ai rien de particulier, je pense. Donc je vous dis à demain tout de suite, comme ça si jamais vous me revoyez juste après, c'est cool. Sinon, à demain. Salut, il est 17h30, il y a ma grande qui tousse derrière le mur, pardon, désolé, la vraie vie, tout ça. J'ai reçu mon club de novembre, Dark Iris, oui. Alors là, si vous l'attendez et que vous voulez pas voir, en fait, ne regardez pas, je vous marquerai à quel moment vous pouvez revenir. Pour pas que je vous ai spoilé, hein, parce que ça serait dommage. Pour une fois, je l'ai tout de suite. En plus, il y a Caroline tout à l'heure chouloute qui me dit « Tu l'as reçu ?»« Non, pas encore !» Et elle « Je suis trop frustrée de pas pouvoir te dire à quoi ça ressemble !»« Oh, bah moi aussi !» Bon, normalement, je vais l'avoir demain, finalement, la poste, comment dire, parfois. Bref, allez, on y va ? On y va. Je vais commencer par les goodies. Alors, c'était le chaton ambulant, donc... On a Aoru, que toutes celles qui aiment le chaton ambulant et qui sont secrètement amoureuses d'Aoru, lèvent la main. Bref, Aoru, le calcifère et le château. Donc ça, bah, j'achète plein de cadres parce qu'il y en avait déjà 6. Je crois qu'il y en a déjà 6, il y en a 2 dans le calendrier d'avant, plus 3 ça fait 9. Ensuite, non mais ça, alors je l'ai juste ouvert en fait, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, non mais ça,
C'est un tablier. Oh, mais c'est trop bien. Donc, il y a... Il y a Totoro. Totoro. Il y a Inorod. Il y a le Chabus. Ça, c'est quoi? C'est Ashitaka. Ça, c'est... Non, Nausicaa, c'est le mousse. Et Gigi. Il y a Porco Rosso. Il y a Mononoke. Oh, il y a son visage. Il y a... Oh là là. Ah oui, ça revient. Ok. Il y a les esprits. Il y a la pierre dans le château, dans le ciel. C'est trop cool. Oh là là. Mais celui-là, je vais l'accrocher, en fait. Je vais pas m'en servir. Aïe, aïe, aïe. Ensuite... Alors ensuite, chapeau parce que Sophie m'a fait le chapeau. C'est une gomme je crois, je ne sais pas. Je pense que c'est une gomme. Ensuite, oh il y en avait. C'est l'épouvantail. Ensuite, le filtre de la sorcière des Landes. Ah, trop cool. Thé noir, sirop, citrouille épicée, potiron, cannelle. Oh, c'est pas pour moi. Je sais à qui je vais le donner. Mélanie. Ensuite, c'est quoi ça? Cher Happiness Pookie. I don't know what it is. Je ne sais pas. Ça doit être un truc à manger, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, on dirait des Mikado. Oh, je crois que c'est chelou. J'ai ouvert. Ça sent la fraise. C'est des Mikado à la fraise. C'est bon. Est-ce que je partage avec eux? Allez. Je vais leur en donner. Goûte. C'est bon. C'est bon? C'est oui. Quoi? Tu veux Jojo? Pas. Jojo, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Comment tu dis bon? Bon. C'est bon? C'est bon. Tu goûtes? Mais mange là où il y a de la fraise. C'est bon? C'est bon? Ça va mieux ton oreille? Oui, t'as moins mal? C'est plus à la fraise ou il y a d'autres mots? Vous avez la réaction directe des nains. Hein, c'est bon. Il y a Jonas qui crie encore. Il y avait un autre truc dans le colis que j'ai pas appelé. On n'est pas prête. C'est les boucles d'oreilles d'Auron. Maman, elle est trop ouf, elle est trop ouf. Ludie, Jonas réclame encore des Mikado à la fraise. Il va falloir que tu me dises où t'as acheté ça. Il y en a plus. On a tout mangé. Aïe, bah oui, tu t'es cogné. Allez, va voir grande soeur. Va voir grande soeur. Oui, c'est pas pour toi, c'est un rasoir à bouloche. Je suis fan. Bon, il faut dire quand même que oui, j'ai du mal à choisir mon préféré, mais je pense que le chat ambulant... Bon, pas qu'à cause d'Aoru, évidemment. Château ambulant, Mononoke, Totoro, Pognon. Mais alors ça. Bon, alors moi, je vais pas les mettre parce que je crains de les matériaux. Mais franchement, c'est canon. J'ai trop envie de les mettre sur mes tricots. Oh, c'est trop cool. Bon, voilà. J'ai 4 ans et je suis ravie. Merci, Ludy. C'est récalcifère, oui. Oh, c'est trop choupi. C'est beaucoup trop choupi. Ah, c'est des sucres. Oh là là, j'en ai cassé un. C'est des sucres. Un chapeau et une plume. Je peux pas. Youp là. Ah, j'en ai plein. J'en ai partout. Oh. Alors, j'ai pas de souris, mais c'est pas grave. Je vais le mettre là, sur mon bureau. Waouh. Bon, franchement, le divine... Ludivine est une grande malade. Je ronge la laine. J'ai pris le kit chaussettes avec le mini. C'est magnifique. Donc c'est navet. C'est violet, gris, bleu. Il y a un peu de jaune, il y a du noir. Et le mini, il est violet. Comment vous dire que, effectivement, je suis fan. Et du vert. Du jaune, oh là là, c'est beau, du marron, du gris, du violet gris, il y a du clair, oh là là, c'est magnifique.
Ah, voilà. Bon, ça, c'est vraiment des trucs, j'ai envie de les tricoter, hein, j'ai envie de les garder toute ma vie. Bon, c'est idiot. Bref, d'ailleurs avec les copines, on se disait qu'il fallait faire du grand tri de stash pour le rentrer dans Ravelry. Donc je pense que je vais essayer de faire ça ce week-end, mais c'est pas gagné, vraiment pas gagné. Et tout à l'heure, j'ai eu un coup de mou parce que je pensais à Célia. Donc, si vous avez connu Célia à Torres Knitting, elle a eu un cancer et elle est décédée le 23 décembre de l'année dernière. Donc, voilà. Donc, j'ai une pensée pour elle. C'est les trucs moins fun de la vie. Et bon, je pense souvent à elle, mais j'y ai repensé parce que Cécile, que font mes mains, parlait justement d'un livre où c'était une personne en fin de vie parce qu'elle avait un cancer du sein, etc. Et elle parlait de Célia aussi. Donc, voilà. Bref, voilà. Allez, pour les trucs de la vie qui sont beaucoup moins fun. Mais ça fait partie de notre expérience humaine, n'est-ce pas? Et ouais, j'avoue que tout à l'heure, du coup, heureusement, il y a les copines pour nous faire marrer et contrebalancer. Mais bon, ouais, voilà. Je ne sais pas ce que fait ma fille. Tape sur le mur, peut-être? Bon, bref. Voilà. Allez, je vais vous montrer autre chose et après, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc hier, j'ai commencé à assembler les sweats des filles et j'ai eu l'idée ingénieuse de mettre les transferts de Ludy, donc des box. Donc ça, c'est Kiki. Et alors, par contre, celui-là, il est un peu épais. C'est vraiment très beau. J'espère que ça va tenir dans le temps. Je lui dirais surtout de ne pas le mettre dans le sèche-linge. C'est canon. Voilà. Je me dis que ça allait avec la couleur. C'est un peu la même couleur que... Non, pas ses cheveux, mais bon, ça va. Et pour Isaline, j'ai mis... Hop là. Et pour Isaline, j'ai mis celui-là. Donc le sans-visage, Totoro, Kiki, Ponyo, Mononoke. Ça doit être rouge, j'imagine. Chapardeur, Arietti, non c'est ça. Oh. Et ça c'est qui? Château dans le ciel peut-être? Je pense, je ne sais pas. En tout cas c'est trop mignon, c'est trop mignon. Et les petites noirodes, c'est trop cool. Et je trouvais qu'avec les fleurs ça allait pas mal en fait. Même si on voit les fleurs en fond. Et voilà. Bon, sinon j'ai presque fini. Non, je l'ai pas prêt. J'ai presque fini. J'ai fini une manche du pull de l'homme. Et j'ai presque fini ma plotte de bleu. Donc j'en ai recommandé une. Et comme franchement, commander une pelote de 10€ et quelques et payer 8€ d'envoi, j'ai trouvé quand même que ça faisait suer. Et que de la Juliette j'en ai plein. Et que Adèle m'a offert le patron. Ania, c'est ce que je vous disais. Je me suis mise d'accord avec moi-même et je me suis commandé la quantité gilet de Pénélope. C'est la DK avec de la soie. En prune. Voilà. Et puis ben, en fait, à un moment donné, on va dire que ça suffit l'année. On a dit 2023. On a dit en 2023. Bon allez. À demain. Bonne soirée. Bonne journée. Bon week-end. Bonnes vacances. Ah, ça va être bien ces vacances, ça va me permettre de travailler un peu. Non, je plaisante. Mais pour avoir un rythme plus cool et pas se lever à 7h le matin, genre. Bon, 7h c'est pas tôt. Bref. Allez, à demain.